Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons à étudier des nouveaux mouvements du sabre du Taiji. Fangzhou, es-tu prêt? Oui, allons-y. Maintenant, étudions le mouvement d'ouverture. Pieds joints, le corps droit, ouvrez la position en écartant le pied gauche. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, pliez genoux et coudes, descendez, appuyez jusqu'à côté des hanches. Tournez la taille emmène les mains, dessinant une courbe vers la droite, et saisissez le sabre à droite. Regarde-moi faire une fois. Fais-le une fois, s'il te plaît. On écarte le pied à largeur des épaules. On lève la main à hauteur des épaules. On plie genoux et coudes en descendant. Les mains descendent à hauteur des hanches. On tourne la taille qui emmène les mains. Et on saisit le sabre. Bien, vas-y une fois avec moi. Allons-y, on écarte le pied. Faites attention au mouvement des mains. Étudions le mouvement inverser le ciel et la terre. À partir d'ici, la main droite a saisi le sabre, dressez le sabre vers l'arrière, puis l'avant. Relevez le sabre. Continuez vers l'arrière, vers la gauche, et encore devant. Relevez le sabre. La main gauche se situe sur le poignet de la main droite. Encore une fois. Vers la droite, ouvrez la main gauche, relevez le sabre devant. Puis vers la gauche, de haut en bas, le sabre à l'horizontale, la main en protection sur le revers du sabre. Regarde-moi le faire une fois. À toi maintenant. Bien. Attention, il faut relâcher les épaules. La main doit être bien au-dessus de la tête. Très bien. Bien. Lors du relevé, les bras, les épaules doivent être relâchés. Et on relève le sabre vers l'avant. Lors de la rotation, attention à garder les épaules droites. Il ne faut pas les hausser. Et ensuite, on relève le sabre. On continue vers la droite. On ouvre la main gauche jusqu'au-dessus de la tête. On relève le sabre. On tourne, on pose la main sur le revers du sabre. La position du cavalier doit être bien assise. Il ne faut pas tourner les genoux. Vas-y avec moi. Prêt? C'est parti. Inverser le ciel et la terre. Lors du relevé de sabre, les bras sont relâchés. Maintenant, étudions les trois coups de sabre. Allez en position de l'arc à droite. Ramenez la jambe gauche
En même temps, ramenez le sabre. Pas glisser devant, poussez avec le sabre. Sabre dans la main droite, piquez, avancez, premier coup de sabre. La force arrive de manière fluide dans la pointe. Tournez le corps, deuxième coup de sabre. Allez en position du cavalier, ramenez le sabre sous l'aisselle gauche, enveloppez le cerveau, reculez, troisième coup de sabre. Regarde-moi faire une fois. Quand on ramène le sabre, on ramène aussi la jambe. Lors du pas glissé, on pousse avec le sabre devant. On avance et on pique. La force arrive dans la pointe. On tourne le corps, on fait le tour de la tête, on fait un pas croisé et on pique. Bien, nous le faisons ensemble. Coup de sabre. La force du piquage arrive dans la pointe. Faisons ensemble l'enchaînement des mouvements de cette séance. Sont les points importants de la séance. Le mouvement d'ouverture. Il faut coordonner la respiration avec les mouvements du corps. Le souffle descend dans le dantien. Avoir un rythme clair, des mouvements souples et ronds, et être coordonné. Utilise principalement le piquage. Il faut amener la force dans la pointe.
Tout le monde maîtrise les points importants des mouvements de la séance. Pratiquons ensemble à nouveau. Mouvement d'ouverture. Inverser le ciel et la terre. Les trois coups de sabre. Faites avec moi les mouvements de la séance. Fangjo, ces derniers jours, tu as fait de grands progrès. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. La séance d'aujourd'hui s'arrête ici. On se voit à la prochaine séance. Au revoir. Au prochain cours, on continue à étudier les mouvements de la première partie de la forme de sabre du Tai Chi. Merci à vous de continuer à nous suivre.